Dans ma cuicuie, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tam Tam. Tina, vous pensez que Rabdo? Nana. Trop, c'est trop. Ça va barder. Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Divisé par 773,53 égale... Bon, les enfants, on sort. Et pas de bêtises, hein? Et faites vos devoirs, sinon... Oui, papa! Oui, maman! Mon mémède! Mon mémède doux! Marie-Lou? Oh! Oui! Tu surveilleras bien Tom Tom et Nana! Oui, maman! Et qu'ils fassent leurs devoirs! Oui, papa! Objectif repéré! Radiation intergalactique. Les petits monstres. Et alors? C'est ça vos devoirs? Vous me prenez pour une idiote? Toi, tu fais ta punition. Et toi, ta ligne d'écriture. Et si c'est pas fini dans une heure, je dis tout aux parents. Mehmet. Tu peux pas nous aider pour nos devoirs? Non, travaille avec mes maîtres. Un problème de maths. Salut Marie-Lou. Ils vont réviser. À mon œil, ouais. Révision de maman. Ça commence par les yeux doux. Et puis bisous, bisous, ma Marie-Loulou. Ma louloute. Mon mémé doux. Moi aussi, si. J'ai une idée. On va jouer aux espions. Ouais, super. On est les reporters de Voici Paris. Demandez les photos secrètes de la star des maths. Son dernier amour super secret, le célèbre Mehmed. Et après, on les vendra. Et on achètera des bonbons. Arrête. Tu me chatouilles. Ma loulou. Mon bébé. Ils sont bêtes là. Un petit sourire les amoureux. Qu'est-ce que vous fichez là? On voulait une petite interview. C'est pour Voici Paris. Allez faire vos devoirs. Je dis tout aux parents. Ouais, et on leur montrera le joli photo. Ciao Marie-Lou. Donnez-moi cet appareil. Je vais vous réduire en bouillie. En bouillie. Donne. À toi, Nana. Zélène. Nananananère. Nananananère. Nananané. Donne cet appareil. Viens le chercher. Viens le chercher. Viens ici. Par ici, Nana. On montrera les photos aux parents. Oh non, pas ça. Je vous emmènerai au cinéma. Je vous payerai des glaces. Et je ferai tout ce que vous voudrez. D'accord, alors fais nos devoirs. Ok. Youhou. Applique-toi. On veut un travail impeccable. Je suis un pitre. Tu es un pitre. Et pas de tâche, hein. Et pas de faute. Il est un pitre. Nous sommes des pitres. Alors, ça vient? J'ai fini. Donnez-moi l'appareil. Les cahiers d'abord. Ouais, pas mal. Ça ira pour cette fois. Mais... il est vide. On n'allait pas gâcher de la pellicule pour deux mochetés comme vous. Ben oui. Traître. Je vais vous massacrer. Bande de monstres.
Dans ma cuicui, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tam Tam! Gina, vous pensez que Rabdo? Nana! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. On a tout bien fait, hein? Oh, je sens que je vais passer une bonne nuit. Je t'attire, bonsoir aux parents. Bonne nuit. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas au lit? Tu vois, je... J'ai tout compris. Vous sortez, vous allez vous amuser. Mais bon, nous sommes invités chez les Duboyau. Et on s'amuse pas chez eux. On mange, on joue aux cartes. Aux cartes? Pas du tout, on ne joue pas aux cartes. On parle, on discute de boulot. Ah, oh, c'est pas rigolo chez les Duboyau. Ben alors, pourquoi vous y allez? Parce qu'on a envie. Et puis ça suffit. On n'a pas d'explication à vous. Elle aussi? Oui. Oh, vous nous laissez tout seul. Vous êtes bien assez grand. Allez hop, maintenant dodo. Et s'il y a le feu? Si des brigands nous attaquent? Il n'y aura pas de brigands. Si des crocodiles nous mangent? Ta 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 ta. Bonne nuit, mes chéris. Attendez! Qu'est-ce qu'il y a encore? Et si des molmocs arrivent? C'est ça. Allez, dormez bien. Dis, c'est quoi là, les molmocs? Tu connais pas les molmocs? Je vais t'expliquer. Ah, je suis un molmoc. Je viens de la planète Bêta pour envahir la Terre, pour semer la terreur. Ah, la panique, l'épouvante. Ah, petite terrienne, tu n'échapperas pas à mes tentacules électroniques. Je vais te bombarder à l'uranium. Je vais faire de toi une molmoque en fer mou. Oh non, pitié, monsieur molmoque. Tu résistes, parfait. Je vais utiliser mon canon à rayon laser intradermique. Écoute, qu'est-ce que c'est? Des molmoques. Il y en a partout. Regarde. Regarde, Tom Tom, il n'y a plus de Malmac. Et là, le bruit, c'est la radio. Un concert de musique futuriste. L'orchestre était dirigé par le grand Albert Moldoc, avec au piano. T'as entendu? Moldoc, Molmoc. C'est plus grave que ce que je croyais. Ils ont déjà envahi la maison de la radio. Il s'agit plus de rigoler maintenant. Mais oui, prépare les munitions. Mais j'ai déjà un bon tas de boulets de canon. On va vendre chèrement notre peau. J'ai peur, Tom Tom. Tu n'entends rien? Si, on vient. C'est les molmocs. Prépare-toi. Chut, Adrien, nos petits chérubins dorment. Tu crois? Bien sûr. T'es prête? Oui. Allons-y. Vous allez vous en souvenir. Sauf que pas. Tous aux armes. Thank you.
Dans ma cuicuie, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tam Tam. Alors, vous pensez que Ravdo? Mama. Trop, c'est trop. Ça va barder. Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Avec Kevin. Kevin. Avec Kevin. Oh, mais il a les oreilles décollées. N'empêche, en attendant, c'est Jessica qui souffre. Et comment il regarde Pamela? Remarque, Kevin, c'est pas parce qu'il a des grandes oreilles qu'il est aveugle. Bon, ben moi je sais ce qu'il me reste à faire. Moi aussi. Hein? J'en ai assez que vous regardiez ces âneries. Regardez vos têtes, vous avez l'air de deux idiots. Quoi? Et puis... Oh non, pitié maman! Juste au moment où Vanessa allait se venger de Kevin. Et Kevin qui ne se doute même pas. Tu m'arraches le cœur. Je travaillerai bien à l'école. C'est l'heure du match, c'est l'heure du match. Maman! Ah, la télé, justement je venais. Mon papounet. Mon petit papou. Ah non, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Vous n'êtes que des intoxiqués. Adrien, s'il te plaît, il faut que tu montres le bon exemple. Tu as raison. Votre mère a raison. Vous n'êtes que des intoxiqués. Mais qu'est-ce que tu vas faire de notre télé? Je vais la descendre à la cave. La cave? Mais c'est pas un peu humide, non? Bon. Et si on la mettait dans notre penderie, hein? Comme ça, on pourrait mieux la surveiller à cause des enfants. Adieu, ma petite télé. C'est affreux. On dirait que vous l'enterrez. Il faudrait bloquer la porte, mais avec quoi? Bah oui, avec quoi? Du sparadrap? Un petit bout de ficelle? J'ai une meilleure idée. Ce cadenas, c'est plus sûr. Et pour être encore plus sûr, c'est moi qui garde la clé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va s'ennuyer. Trouvez-nous une distraction. Vous n'allez pas passer la journée enfermée. Allez respirer un peu d'air pur. Regarde, une télé et même plein de télé. Tu parles, ça bouge même pas. Oh, regarde là-bas, ça bouge. Là. On dirait un documentaire sur la vie au fond de la mer. Tu crois qu'ils sont amoureux? Bien sûr. Et là, dans le fond de l'océan, il y a le homard jaloux qui fait la tête. Waouh, c'est palpitant. Ouais, bof, on pourrait trouver mieux comme suspense. Dis-moi, Kevin, mon petit chouchou, ne suis-je pas belle à croquer? Tu parles, on dirait un film d'horreur. Miroir, miroir, c'est qui est la plus belle? C'est moi. Ben, qu'est-ce que vous fichez là? Rien, on prend l'air pur. On regarde la télé. Ben justement, il y a Mister Mister qui commence dans 5 minutes. Mister Mister, on peut pas rater ça. Plus de télé. Des voleurs l'ont volé. Ils ont assommé papa. Maman. 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 Au secours, au secours, allez. Des voleurs. Des voleurs de télé. Et papa, là, ils l'ont assassiné. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bravo pour le bon exemple. C'est le football, ma chérie. J'ai failli avoir une crise cardiaque en plus. Voilà ce que je vais en faire de notre fichue télé. Non, par la fenêtre. Mais il y a quelqu'un en dessous. Coucou, j'arrive. Ta crevette. Mes chéris, figurez-vous que ma télé est en panne. Alors j'ai décidé de venir la regarder avec vous. Eh ben, quelle bonne idée, tante Robert. Entre donc, Robert. Et voici notre grand film de la soirée, Tempête de bonheur, avec dans les rôles principaux... La télé. On a beau dire, on ne peut vraiment pas s'en passer. Mmh.
Dans ma cuicuie, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom-tom! Alors, vous pensez que Ravdo? Maman! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Ah! La voie est libre! Halte là! Vous avez rangé votre chambre? Oui, maman. Bien sûr. Voyons ça. Vous vous moquez de moi? Vous appelez ça une chambre, vous? Moi, j'appelle ça une poubelle, une décharge publique. Ah, une poubelle? Une décharge publique? Rangez-moi ce bazar immédiatement, sinon pas de sortie. Est-ce que c'est compris? Oh! J'attends. Facile. Moi, j'ai fini. Tout le reste est à Tom-Tom. Quoi? Et ça, c'est à qui? C'est pas à moi, c'est à toi. Et cette chaussette? C'est pas la mienne. Et ça? C'est à toi. Et ça? Menteuse! C'est pas à moi. Et ça? C'est à toi. Et ça? C'est à toi. Menteuse! Aïe! C'est bon. Vous l'aurez voulu. Tiens. Je vais tout ranger moi-même. Tu entends? Qu'est-ce que c'est? Géante. Dans 5 minutes, ce sera nickel. Oh non! Mon ballon de foot! Mon avion supersonique! Il n'a plus d'aile. Ma poupée chauve! Mon caillou porte-bonheur! Mes lunettes infrarouges! Lâchez ces cochonneries! Allez, Oust, dehors! Adrien, viens m'aider, s'il te plaît. On va mettre tout ça sur le trottoir. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça pèse au moins 3 tonnes. Tous les jouets usés. On débarrasse. Tom-Tom! Horreur! Qu'est-ce qui s'est passé? Un cyclone! Une tornade! Un raz-de-marée! On n'a plus rien! Plus rien, maman! J'ai plus que toi! Comme ça, on s'en va. Ils sont trop nuls, ces parents-là. On va partir loin, en Amérique. On trouvera peut-être une meilleure famille que celle-là. C'est une honte, un scandale. Quoi? Hein? Quoi? Tante Roberte! Dire qu'il y a des monstres pour jeter ça. Mais... Quel gaspillage. Ah, alors qu'on peut faire tellement plaisir aux petits. Ah, merci, Tante Roberte. Allez, aidez-moi les enfants. On va monter tout ça dans votre chambre. Mais, Tante Roberte. Et alors, Adrien, qu'est-ce que tu attends pour nous aider? Oui, Tante Roberte, j'arrive. C'est lourd.
Dans ma cuicuie, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom Tom! Tina, vous pensez que Ravdo? Nana! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Marie-Lou, on compte sur toi. Vous allez vous coucher tout de suite. Oui, 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 tout de suite, maman. C'est pas trop tôt. Et pas de bêtises. Au revoir. On se couche tous les trois. On se couche tous les trois. Pas la peine de se laver, ni les dents, ni les pieds. Et si on dormait tous dans la même chambre? Non. Non. On fait la course. Le premier au lit a gagné. Ouais, tricheur Tom Tom. Ça y est. Ça y est. Oui. Bravo. Égalité. Bonne nuit Tom Tom. Petit parfum pour aller au lit. C'est fleur d'oreiller de Dodo Cannelle. J'en veux, j'en veux. Téléphone, j'y vais. Pas question. Vous, vous dormez. Allô? Allô, Marie-Louloute? Tout va bien, Mémed? Je les expédie au pays des rêves et j'arrive. La traîtresse. Je sommeille. Bonne nuit, les enfants. Marie-Lou! Hein? Oui? Tu dors? Oh, je ferme les yeux. On est bien dans son lit. Une histoire, on veut. Bon, une ça suffit histoire. Maintenant. Laissez-moi, je dors. Bon, bah, on vient voir. Marie-Lou! Elle a gardé sa casquette. Et ses lunettes. Elle a peut-être froid aux cheveux. Et aux yeux. Bonne nuit, petite Marie-Lou frileuse. Des enfants en plus. Nos parents sont partis. Notre grande sœur nous a abandonnés. On a peur. Il fait tout noir chez nous. Il y a des monstres. Pauvre petite. Elle est là-bas, notre grande sœur. Mademoiselle, c'est scandaleux. Du calme, te fâche pas. Je vais porter plainte au ministère. On l'a bien eu, la l'air. Chut, les enfants dorment. Tu crois? Bien sûr, on va leur faire un bisou. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Vous dormez pas? Chut. Hey, on surveille Marie-Lou, elle est somnambule. Somnambule. Bah oui, somnambule. Quoi?
Dans ma cuicuie, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom Tom! Tina, vous pensez que Rabdo? Nana! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Catastrophe! Cataclysme! Calamité! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plus de pain, plus une miette, plus le moindre quignon. Allez vite, un volontaire pour la boulangerie. Et on est archi débordé. On ouvre dans un quart d'heure. Moi, je suis volontaire pour la corvée de pain. À vos ordres, capitaine. Ta 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 ta, pas question. Oh. Toi, Tom Tom, tu fais tes devoirs. Prête pour la corvée de pain, capitaine. Non, 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 toi, tu es trop petite. Quoi? Trop petite? J'en ai marre qu'on me prenne pour un bébé. Normal, t'es encore au biberon. Toi-même. Raté. Après tout, acheter 5 pains, c'est pas très compliqué. Et il y a urgence. Bon, d'accord, c'est Nana qui va chercher ouais. le pain. Je vais chercher le pain, je vais chercher le pain. Et apprends bien tes leçons, toi, pendant ce temps-là. Allez, dépêche-toi, Nana. Les clients vont arriver. S'ils n'ont plus des pains, c'est la fin des haricots. C'est comme si c'était fait. Comme un ouragan qui tombait sur moi. Je suis prête. Pas mal, non? Mais tu n'es pas encore partie. Qu'est-ce que tu attends? J'ai pas de sac, pas de porte-monnaie. Vous rangez jamais les tiroirs. Et vous n'avez pas vu le sac à provisions, le grand sac géant? Et répondez pas tous en même temps, hein. Oh non, mais Oh! Mais t'es encore là, toi? Mais qu'est-ce que tu fiches? Minute, j'écoute la météo. Il y a peut-être une tornade dehors. Allez, hop, personne dans ma cuisine. Allez. Aujourd'hui, pluie sur tout le pays. Va me chercher ce pain. Pluie sur tout le pays, j'avais raison. Mais enfin, Nana, ce pain, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Eh oh, j'ai pas envie de me mouiller, moi. Oh, ça marche pas, ce truc-là. Burk, pas beau. Va pas avec ma robe. Waouh, un parapluie super télescopique. Les sales monstres. Bon, alors maintenant, tu prends ton impère et tu files. Tu as compris? Sinon, tu vas toi-même. Oui, maman. On y va, on y va. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous auriez pu me dire qu'il y avait des travaux devant la maison. Oh non. Oh, Makenon. Et mes bottes, où vous les avez mis, mes bottes? Sous l'escalier, non, mais je rêve. Il va bientôt faire nuit et tu es encore là? Oh, ça va, hein, ça va, vous énervez pas. Allez, cette fois, c'est la bonne. Qu'est-ce que je dois acheter, déjà? Du pain. Je le savais, je vous ai bien eu. Voilà notre pain. Il n'y avait plus de pain. Plus de pain? Mais je vous ai apporté plein de jolies surprises. Des bouboules à la fraise, des cocos aux réglisses, des têtes de morue et des ballons pour tout le monde. Oh non! Ouais! Super, Nana! Eh ouais!
Dans ma cuicuie, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom Tom! Non, vous pensez que Ravdo? Nana! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Waouh, la star! Oh là là. Waouh, Marie-Lou. Waouh, super. Wow. À quoi ça sert d'être belle? Come on. Où est mon blouson? Oh. Alors, comment vous me trouvez? Super, super géante, Marie-Lou la rappeuse. On dirait Madonna. Je suis vachement mieux qu'elle. Allez, salut les moucherons. Dans ce monde impitoyable, vaut mieux être trop belle. Où tu vas? Ça ne vous regarde pas. On vient avec toi. Pas question. Bah pourquoi? Je suis sûre qu'elle va voir son Mehmed. Qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux? Bah, un bébé, tiens. Hein? Un bébé? Et toi, tu sais comment on fait les bébés? Avec la petite graine. La petite graine? Et on la met où, la petite graine? Dans l'oreille, tiens. Ah, dans l'oreille? T'es sûre? Tu me crois pas? Je sais pas. Bon, on va mener l'enquête. Je suis le détective, tu es ma secrétaire. D'accord? Ok, patron. Mon mémette. Ma Marie-Loulou. Mon papillon bleu. Ma libellule. Tu les vois? Ma libellule. Bon, note. D'abord, on se dit des idioties. Ensuite... Ensuite? Ah, pas ça alors. Quoi? Dans l'oreille. Hé? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Il y a bébé. Il Vas-y, dis-moi. Il a avalé la boucle d'oreille. Mon bébé tout. Mon bébé tout. Pas vrai. C'est pas dans l'oreille. C'est trop dangereux. T'as vu, Mehmed? Tu me crois pas? On n'a qu'à demander à Madame Poipois. Dites, Madame Poipois, il y a Nana qui veut savoir comment on fait les bébés. Les bébés? Oui. Mais je ne sais pas si je peux vous... Oh, plus vous êtes grand, vous pouvez comprendre. Approchez. Alors, voilà. Pour faire bébé, on va dans un jardin merveilleux avec herbe en plume et ruisseau de sirop entre les collines. On trouve pommier d'amour et on croque fruits délicieux et on avale pépin. Et alors? Bah, alors, on va chez docteur. C'est tout? Complètement toquée, la pauvre. Elle nous a raconté une histoire d'appendicite. N'empêche, elle a parlé de pépin. Le pépin, la petite graine. Ouais, j'ai une idée. Graine, graine, pépin, pépin, graine. Y'a rien là-dedans. À part le maïs et les petites pâquerettes. Bah évidemment, t'as pris des livres sur le jardinage. Ben ouais. Bon, tant pis, on va demander à maman. Maman! Hé, maman! On veut savoir comment est-ce qu'on fait les bébés. Vous tombez à pic. Il y en a justement 3 à garder. Chut! Arthur! Mais c'est cousine! J'en ai pour 10 minutes. Je répondrai à toutes vos questions après. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Comment on fait les bébés, je crois. Ah non, non, non! Ah, dis-nous plutôt comment ne pas les faire! Thank you.
Dans ma cuicui, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom Tom! Tina, vous pensez que Rabdo? Nana! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Regardez-moi ce chantier. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est de la peinture, c'est joli, non? C'est ma dinette. C'est des cochonneries. Des cochonneries? Vous allez me nettoyer ça vite fait. Mais c'est pas sale. Vous exagérez toujours. Eh bien moi, j'en ai assez de faire le ménage, je rends mon tablier. Moi aussi. Les enfants, je vous préviens, on va au cinéma. Au cinéma, quelle bonne idée. Quand on rentrera, je veux que tout soit impeccable. C'est bien compris. Sinon, vous serez privé de télé pendant 3 mois. Trois mois. 3 mois. Mais impeccable non, comment? Comme ma cuisine. Alors? Comme la cuisine. Comme la cuisine. C'est pas possible. On n'y arrivera jamais. On est fichu. Pas de télé pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et en plus, on est tout seul. Tout seul? Attends, j'ai une idée. On sera pas tout seul. Rémi, c'est moi. Tu veux t'éclater? Ouais. Bon, t'arrives avec ton matériel, tu te grouilles, hein. Après, t'appelleras Alexandre. Alex, tu fais quoi aujourd'hui? Ça tombe bien. Allô, Sophie, on organise un truc super. T'arrives? Les championnats de nettoyage artistique? Ouais, super génial ton idée. Tout va être propre en 2 minutes. Surtout avec Alexandre. Il est fort comme un rouleau compresseur. Et ça, c'est la coupe pour le vainqueur. Et moi, je vais préparer la distribution des prix dans la cuisine. Ouais, les gars. Salut. Salut. Où est le stade olympique? C'est par ici. Waouh, vous êtes vraiment bien équipés. Alors voilà, le championnat se déroule en 3 épreuves. Je suis l'arbitre. Vous démarrez au coup de sifflet. Et moi, je remettrai les prix aux gagnants dans la cuisine. Mousse au chocolat, glace, sirop de cassis et tout ça. Le concurrent qui aura gagné le plus d'épreuves recevra le trophée d'or que voici. Ok, par où on commence? La première épreuve, c'est le dépoussiérage. Attention tous à vos chiffons. À vos marques. Prêts? Alors, qui a gagné? Très difficile à dire. Vous êtes tous ex aequo. Venez chercher vos prix. Deuxième épreuve, le balayage. À vos marques, prêts? La médaille d'or revient à Alexandre. Youpi! C'est pas juste, son balai est mieux que le nôtre. Bon, bon, bah, vous êtes tous ex aequo. Venez chercher vos prix. Youpi! Marc, prêt? Vas-y, Rémi, vas-y. Rémi, du nerf, du merde. Alex, 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 n'oubliez pas les coins. Vas-y, Rémi, plus vite. Bravo, les gars. Et la fille? Encore une fois, vous êtes tous ex aequo. Youpi. Et encore bravo. Au revoir. Oh, quelle merveille. Tout brille, tout scintille. Ça n'a jamais été aussi propre ici. Mes pauvres chéris, il ne fallait pas vous donner tout ce mal. Vous devez être épuisés. Bah oui, un petit peu. Reposez-vous, je vais vous préparer un bon chocolat. On est peut-être un peu trop dur avec ce... Adrien, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ma cuisine. Oh, ma cuisine. Thank you.
Dans ma cuicui, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tam Tam. Vous pensez que Rabdo? Nana. Trop, c'est trop. Ça va barder. Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est notre papa à nous qui a le ventre le plus chou. C'est notre papa qu'on aime, qui est meilleur que de la crème. Ça, c'est la surprise numéro un. Non, Oli. Attendez, venez un peu par ici, tous les deux. Attention, il va y avoir la surprise numéro 2. La meilleure. Première étape du plan réussi. Je me demande ce qu'il leur a pris. Je crains le pire pour la surprise numéro 2. Et en plus, ils nous ont enfermés à clé. C'est malin. Ouvrez. Non mais, ouvrez. Tom, Tom, viens ouvrir, sinon ça va barder. Ils s'énervent un peu. C'est pas grave, quand ils verront la surprise. On n'a pas une autre clé par hasard? Mais si, je crois. Je sais qu'elle est sur l'armoire de la salle de bain. Je ne la vois pas. Il faut appeler les secours, les pompiers, la police, le SAMU, l'aviation. Mais tu es folle, tout le quartier va nous remarquer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vais descendre discrètement par la fenêtre. Tu crois? Il n'y a personne, j'y vais. Fais bien attention. Ah ben, ça va, c'est du solide. Adrien, ça va? On n'entend plus rien, ils ont dû se rendormir. Bonjour, la surprise. Je crois que je me suis fait une entorse. Oh là là. On va passer par la cour. Ouais. Parfait, allons-y. Ils vont passer un seul quart d'heure, c'est moi qui te le dis. Tiens, voilà ce qu'il me faut. Je t'en prie, Adrien, je t'en prie, calme-toi. Oh là, c'est lourd. Oh, zut, c'est pas le moment. Qui peut venir nous embêter? Un dimanche matin en plus. Oh, c'est vous? Quelle bonne idée d'être descendu. Ah, vous croyez on ça? On avait du mal avec la surprise numéro 2. La voilà. Ouais, c'est la fête des pères. La fête des pères. Oh, c'était donc ça. Bonne fête à Pounet. Oh, notre belle surprise numéro 2. Oh, elle est toute cassée. Alors, comme ça, c'est la fête des pères. Heureusement que ça n'arrive qu'une seule fois par an. Thank you.
dans ma cuicuie, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom-tom! Vous pensez que Rabdo? Nana! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Yvonne, où sont les fraises pour mettre sur le gâteau? Toujours au même endroit, dans le panier à fruits. Maman! Moi aussi. On a faim, on a faim. Eh oh, stop, du calme, du calme. Sinon vous n'aurez rien du tout. Je meurs. Au secours, mes parents ne donnent pas à manger. Partagez-vous ça et fichez-moi la paix. Des craquitos aux noisettes. Pourquoi t'as acheté ça? Nul. Maman, il n'y a plus de shampoing. Yvonne, j'arrive pas à mettre la main sur mes papiers. Enfin, maman, moi je dois être sortie dans une heure. Ça suffit. J'en ai marre. Je ne suis pas votre esclave. J'ai jamais une minute pour moi dans cette maison. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Débrouillez-vous seul. Mais qu'est-ce qui lui prend? On n'a rien fait, nous. C'est ta faute à toi. Moi? Et toi, espèce de goinfre, grosse bourrique! Arrêtez, c'est pas le moment! Vous voyez pas que l'heure est grave? Votre mère est partie, qu'est-ce qu'on va devenir? Maman! Ok, faut la comprendre aussi. Bah, pourquoi? Qu'est-ce que... Vous êtes sans arrêt en train de la faire tourner en bourrique, cette pauvre madame Dubouchon. Yvonne fait ci, Yvonne fait ça, Yvonne donne-moi ça à sa place, Mac. Il y a longtemps qu'il y aurait rendu mon tablier. Il a peut-être raison, on exagère. Tu crois? Oui, il faudrait peut-être qu'on change un peu. Tu as raison, Marie-Lou. Prenons de bonnes résolutions. Des bonnes résolutions pour maman. Ouais. Moi, je m'attaque au ménage. Moi, je vais lui faire un super gâteau. Nous, on va lui préparer un retour triomphal. On va tout décorer. Moi, je vais lui écrire un poème à maman. Maman, je t'aime, tu es douce comme... comme une pelote de laine. Je fais des super guirlandes extra belles. Maman, je te re-aime et... Oh, ils sont nuls, ce crayon. Faudra lui dire d'en racheter d'autres. Ouais, c'est de la camelote, ces ciseaux, ils coupent pas. Faut faire une liste de tout ce qui cloche ici. Ouais, bonne idée. Une liste. Acheter une boîte de crayons couleur, une paire de ciseaux... J'étouffe, au secours. Les pompiers, police. Complètement détraqué ce machin. Rajoute sur la liste, faire réparer l'aspirateur. Finalement, rien ne remplace un bon vieux balai. Achou. Oh, c'est pas vrai. Un balai. Rajoute des punaises. Une boîte de punaises. Finalement, j'ai réussi un gâteau aux fraises sans fraises. Bon, bah, il n'y a plus qu'à se faire beau. Attention, la voilà. Elle arrive. Tenez-vous prêts. 1, 2, 3. Vive maman! On t'a préparé un super repas, maman Mounette. Installez-vous, décontractez-vous. On s'occupe de tout, chère madame. Nous, on a tout décoré. Je t'ai écrit une poésie, maman Mounette. Écoute. Non, donne-la-moi. Je veux la lire moi-même. Chut! Tout le monde écoute le poème de Nana. Acheter des punaises, 3 kilos de fraises, des crayons de couleur, réparer l'aspirateur, des lacets de chaussures et toutes les factures. Non. Dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tom-tom! Non,
Ravdo. Nana. Trop, c'est trop. Ça va barder. Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Les enfants, cette année, nous voulons une rentrée impeccable. Bien, mon capitaine. J'ai préparé le programme. Mais d'abord, cartable. Cartable, prêt. Parfait. Maintenant, pour demain matin, lever 7h30. 7h35, toilette. 7h40, habillage. Pas de problème, mon commandant Poulet. 8h15, départ en fanfare. Arrête, Tom Tom, tu es tout rouge. C'est l'émotion. 8h30, arrivée triomphale à l'école. Et maintenant, dodo. Ouais. Terminé. Bonne nuit, ma princesse. Tu es sûr que ça va, Tom Tom? Tu n'as pas de fièvre? Non, ça va. Et dormez bien pour être en grande forme demain matin. Extinction des feux. Ça marche comme sur des roulettes. On va la voir, notre rentrée sans panique. Pour une fois. Ouf, j'ai cru mourir. Ils ont même pas vu qu'on était tout habillés. Ça fera bien 10 minutes de gagner demain matin. J'espère qu'il y a bien tout dans les cartables. Règles, équerres, crayons de couleur, colle. Ouh, tout y est. Ah. Et le réveil, est-ce qu'il marche? C'est tout. C'est nul, on l'entendra jamais. Et je vais le mettre là, tout près de mon oreille. Moi aussi, je veux l'entendre. Je suis presque sourde en plus. Justement, tu l'entendras pas avec tes oreilles bouchées. Donne-moi ce réveil. Non, lâche. Attention. Malheur de malheur. Comment on va faire pour se réveiller maintenant? Il suffit de pas dormir. Tu peux aller au lit, toi, Nana, je te réveillerai. Non, moi non plus, je dors pas. Il y a pas sommeil. Pas de sommeil. Pauvre Nana. Allez, Tom Tom, faut pas se laisser aller. 1, 2, 3, 4. Plus que 10 heures à tenir. Je dormirai pas. Je vais compter jusqu'à 3 millions. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est 8 heures, on vous attend en bas depuis une demi-heure. Je suis prête. Départ en fanfare. Ta-da, 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 ta-da. Debout, Tom Tom. Qu'est-ce qui se passe? Il dort comme une bûche. Ça, c'était pas dans le programme. Eh oh, debout, c'est la rentrée. Guili, guili, réveille-toi, Tom Tom. Il est collé à son matelas ou quoi? Incroyable. Bon, moi j'y vais, hein. Je vais être la première à l'école. Il a de la fièvre, il est brûlant. T'es sûr? Il faut appeler le médecin. Pour une rentrée sans panique, c'est gagné. Pauvre Tom Tom, il n'avait pas l'air dans son assiette hier soir. Tu crois? Papa, maman, au secours! Tom-tom, tu es guéri? Quelle heure il est? Ah, il est 8h30. 8h30. Ah, j'ai raté la rentrée. Je suis finie. Mon année est fichue. Mais viens vite, je vais t'accompagner. Il y a personne à l'école. Quoi? Comment ça, personne? La porte, elle est fermée. J'ai pas pu rentrer. Oui, ça y est, c'est le drame. Ouais, comme tous les ans. Hé, les Dubouchons, vous venez jouer au foot? Bah, vous êtes pas à l'école? Hé, c'est demain la rentrée, banane. On s'est trompé d'une journée. Ouais. Oh non. Et demain, il faudra tout recommencer. Tu
dans ma cuicui, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tam-tam! Tina, vous pensez que Rabdo? Nana! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Et notre garage alors? Attendez un peu. Mais il y aura la place, hein, t'es sûr? Mais oui, on peut tout mettre dans cette voiture. Et hop, le parasol, et hop, la glacière, et hop, la plante verte. Et quand il n'y a plus de place, il y en a encore. Et tout ça, ça rentre. Et tout ça, ça rentre dans ma petite auto. Et notre garage, il va rentrer dans ta petite auto? Un peu de patience. Ça va rentrer, ça va rentrer. Ça va rentrer dans ma petite auto. Pom, pom, pom. Ah, cette voiture est formidable. Bientôt 10 ans, 160 000 km et elle est comme neuve. Tu vois, Yvonne, quand une voiture est bien entretenue, elle est... Oh, mais qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Bah, notre garage, tu... Votre garage? Vous voyez de la place pour votre garage, vous, hein, hein? C'est bourré à craquer. Alors, votre garage, vous allez le laisser ici. Allez, en route. Pam, 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 pas notre garage. C'est dégoûtant. Et en route pour les vacances, pom 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 pom, c'est les vacances, c'est les vacances, c'est les vacances. Les enfants, on part en vacances. Mais, mais où sont-ils? Qu'est-ce qui vous prend? Partez sans nous, on reste. Ouais, parce qu'on n'a pas le droit d'emporter notre jouet préféré. Oh non, Sam, non! Adrien fait quelque chose! Allons, les enfants, oubliez ce fichu garage! Les vacances, c'est l'aventure! Hey! Hop, la nouveauté, fini les petites habitudes! Non! Lâche-moi! On veut notre garage! Bon, on part ou on part pas? Notre garage! Si on s'ennuie, ça sera de votre faute. Si on est insupportable aussi! Allons, arrêtez de grogner. Oh, poussez-vous un peu, Mystique. C'est toi qui nous écrase avec ton bazar. On pourrait avoir une voiture plus grande. Oh, cette auto est parfaite. Elle ronronne de bonheur, comme moi. Eh bien, moi, j'ai le cafard. Comme à chaque fois qu'on quitte nos clients. Et en plus, on va dans un trou perdu où il n'y a jamais personne. Et on n'a même pas notre garage. Nous, on veut notre garage. Je garderai le sourire, quoi qu'il arrive. J'ai les pieds tout trempés. Oh, une bonne rincette, ça fait du bien. Dis-moi, y aurait pas un petit problème? J'ai l'impression que... C'est rien du tout, juste un petit caprice. Elle a bien le droit de temps en temps, elle aussi, hein. Et tout près d'un garage. Est-ce qu'elle est intelligente, notre auto? Allez, encore un petit effort, on y est presque. Vous êtes en panne? Trois fois rien. Oh, bah, je peux rien faire pour vous, je suis tout seul. Allons, allons, il y en a pour cinq minutes. Bon sang, j'ai jamais vu ça. Un vrai cimetière là-dedans. Ce qu'il est amusant. Les bougies sont mortes, la cour est foutue, le filtre air est pourri, faut tout changer. Eh bien, changeons, changeons, on repartira tout neuf. Je vais quand même vous faire un devis, c'est plus prudent. Une note salée, ça lui fait toujours cet effet. Où suis-je? Oh non, quelle horreur! Toujours dans ce garage, je veux rentrer chez moi! Voyons, Adrien, un peu de courage! C'est les vacances, Papounet! C'est ça l'aventure! Mais la note, comment on va la payer? J'ai une idée. On peut s'arranger. Au revoir, chère petite madame, et bonnes vacances! Allons, Adrien, une semaine, c'est bien vite passé. Et au moins ici, on voit du monde. Génial, on l'a eu, notre garage. Et en vrai, en plus. Oh,
Dans ma cuicuie, dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Tam-tam! Tina, vous pensez que Rabdo? Nana! Trop, c'est trop! Ça va barder! Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Tante Roberte ne va pas tarder. Vous serez bien sage avec elle. Mais oui! Et obéissant, hein? Et vous ne la ferez pas tourner en bourrique. Enfin, vous nous prenez pour des monstres ou quoi? Ouf, délivré. Allez vite, c'est l'heure de Max la tortue. Les enfants! Tante Roberte! Déjà? Oh, j'en étais sûre. Encore plantée devant cette maudite télévision. Oh non! J'ai apporté de quoi vous occuper intelligemment. Oh, malheur! Un puzzle du corps humain. Merde! Et une encyclopédie pour Tom Tom. Savez-vous ce qu'est un cucurbitacé? Cucu quoi? Bien, instruis-toi. Je vais vous préparer un bon goûter. Vous êtes maigre comme des aiguilles à tricoter. Alors, où est-ce que j'ai mis ma succulente confiture d'épinards? Oh non, pas la confiture d'épinards. Mais je l'ai apporté 10 pots la semaine dernière. J'ai une idée. Les enfants, où sont les pots de confiture? Dans la cave, tante Roberte. On va l'enfermer. Enfermée, tante Roberte? Où ça? Dans la cave, cric-crac. Tu crois? Ouais, pas longtemps, juste le temps du feuilleton. Oh! Non, Tom Tom, on peut pas faire ça. Laisse. Tiens bon, tante Roberte, j'arrive. Laisse, je te dis. Aïe. Tiens, regarde ce que j'en fais de la clé, moi. Elle s'est cassée la figure. Tante Roberte, ça va? Oh, elle est tombée dans les bouteilles. Elle est peut-être blessée. Je vais trouver la clé. Tante Roberte, t'inquiète pas, on va te délivrer. Tante Roberte. Oh là là, je retrouve plus la clé. Tante Roberte, t'es vivante ou t'es morte? Réponds. Elle est peut-être morte. La police, ils vont venir me prendre. Et on ira en prison. Papa, maman. Non, tu n'iras pas en prison, toi, Nana. C'est moi le coupable. Allô, la police. Coucou, mes petits cocos. Tante Roberte. T'es pas à la cave, oh, ma chérie. Mais non, j'étais partie au supermarché. Je vous ai acheté un super goûter. Sirop de la baie sans sucre gelé de choux et cailles au céleri. On va se régaler. Vous me pardonnez, je viens chercher mon chat. Je crois qu'il est enfermé dans votre cave. Un chat dans la dans cave, la cave. Oh là!